Qu'est-ce qu'on peut faire en camping? Comme ça, les enfants vont débuter le camping, ils vont savoir comment faire le feu, qu'est-ce qu'on peut manger, tout ça. Le pauvre de même, il marche mal. Mais le bord de même, ça marche. Sec, hein. Mais le meilleur bois, c'est eux qui sont surélevés. Parce que eux, à terre, là, comme ça, là, si on veut trois terres, c'est plus beau. Il est mouillé et tout ça. Et nous, la différence est mille entre du bois vert, et du bois sec. Quand le corps, ça fait ça. Puis l'autre bois, si on va voir, il casse. Il casse pas, ça fait ça. Il casse pas, hein? Ça fait pas de bruit. Est-ce que vous avez vu ces bûches-là? Il a l'air pareil, hein? Mais ils sont pas pareils. Elle est dure. Et elle est... C'est... Elle. On sent rien qui s'enlève. Puis, est plus lourd. Elle est moins lourde et il y a des affaires qui s'enlèvent. Vous comprenez? Puis elle a servi à faire le feu. Elle, c'est bleu pour se chauffer. On acquiert les jambes pour être bien droit. Mais on acquiert les jambes parce que si on frappe, on a tout de coup, ça va pas frapper nos jambes. Comme ça, nous allons frapper à l'extérieur. Là, il faut que le feu respire. On met une grosse bûche ici. Là, on met plein de petits bouts de bois ici. On met le papier journal en dessous. Pour pas se brûler, on met droit, on allume, on laisse toujours droit. Quand elle est allumée, il faut la laisser droite. Yep. Et monsieur papa, voici votre verre. Wow, il est beau. Ok, le prochain. Tenez. Merci, c'est un vraiment beau taco. C'est pas 5 gros melons d'eau là, tu comprends? Des fruits et légumes par jour. Tu comprends? 5 melons. Tu comprends-tu? J'aime le camping! Si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Quelque chose qui est important que vous sachiez. Quand on part toujours de camping, on n'est pas supposé laisser des traces. Comme parce là, que quand, voyez... quand on part du camping, faut pas laisser des traces.
faut tout nettoyer pour les autres personnes qui vont venir.